Caractérisé par une politique de proximité, après Bipemba, Djoulou, Mouya, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya-Matiabidi, un homme de terrain, s'est rendu ce dimanche 16 juillet dans la commune de Dibindi, dans le quartier Benamabika, non loin du grand séminaire, à quelques minutes de la source Lukelenge. Ici, il a communié avec la population de cette partie de la ville de Mbujimayi. Sur place, il a aussi visité la paroisse Notre-Dame de Lourdes, profanée il y a plus de 2 ans par des hommes non autrement identifiés. À son arrivée, la population en liesse venue l'accueillir est émue de voir de plus près l'autorité provinciale se rendre personnellement dans leur quartier pour s'enquérir de la situation de la paroisse, mais aussi palper de ses doigts la réalité quotidienne de ce peuple. « Je suis flatté. C'est vraiment une surprise de voir notre gouverneur nous visiter », a indiqué un habitant de ce coin. Après avoir visité la paroisse, le chef de l'exécutif s'est adressé à la population venue communier avec lui. Je suis venu ici pour visiter d'abord cette paroisse. Nous allons en un premier temps apporter notre contribution pour sa réhabilitation, car nous travaillons dans la logique de reconstruction prônée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais encore visiter l'érosion qui a coupé la grande avenue qui conduisait à la carrière, a indiqué Patrick Mathias Kabeya-Matiabidi. Moudina dia Fumwadi Tunga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dino la moi bana ba fati beton yo yenu yo yikabidi ah vubulo kutanyila église u vo mosheka matuka adihanyima gama itabu ime vumo mulo bwa kwanje kumutanyila ni bwa kutanyila kabidi bwa lwa mai midimu vumyenzeka kadi mai ka fuma banda to Mama bwani nganje lo kujitangi jila bwalu milonde kama na kwela milo mubwela mumbanza kadi mike mahatu kato bakabenza kabi ni tande alo mso bwa kwanje kumona bwa kuyikila ni mompe bwana ngambile hende chi chivuchechi takana chinganye bwani tukela menji tumona mushindo akolo kubangulo kabi jimine bijimwe no jibampetanye yonswebi tudi tubienza milonde shila Vision wafu mwadi tunga bwani mwana mwena Kongo mwaba yonsu udimwika la musomba ikala kuni mai bwani masama makwabu ajafumina kumai kai kajaba tatisha to bilonde shalamu mudi kolera kolera ujula bikola kumalo ajimatanya hajimai kai mimpa to bantu waba sama kolera kibualu kai mu vizio wenda ujika bwani tuikala ni mai mimpa mema bu representa wenda anyi mutu miki wenda mumbu shimai anyi mukasai oriental kani mulo bakwaje kutanya malo mai na monu toyeke jini mumpe tutuya nintangela kabiji lubo kumpa leku apre me kuingana kwanyi kama ona chitu mwa kwenza mimi bampetanye twasa kijilai wabunyi. Poursuivant sa visite, le gouverneur a rencontré l'évêque du diocèse de Mbujimayi et celui de la France, et aussi venu en visite dans ce quartier, une occasion pour l'autorité provinciale de saluer le père évêque du diocèse de Mbujimayi. Accompagné de la population, le gouverneur s'est rendu à l'érosion située entre les quartiers Benakabongo et Mabika. Il constitue un obstacle pour les usagers. Une situation qui n'a pas laissé l'autorité indifférente. Avant de partir, le gouverneur a encore échangé avec le chef de ces quartiers sur bien d'autres questions. Il n'a pas manqué de remercier la population pour lui avoir réservé un accueil chaleureux. Le gouverneur était accompagné de quelques membres de son cabinet et du directeur général de la DGRK Or, Aimé Matamba Lukasu Tshibamba, qui est aussi responsable de la dynamique Matamba Lukasu.